Bonsoir, bonjour mes chers abonnés, bienvenue les nouveaux, abonnez-vous, likez. C'est un tirage général pour la vidéo qui a été proposée et que vous avez votée. Il y a, je pense, 40% qui veulent la vidéo sur le thème « Est-ce que ma relation va-t-elle fonctionner ?» Voilà, donc il y a deux tas, le petit Lenormand. Alors, avec Rana Georges, j'ai le papillon. Donc 9 cartes, et 9 cartes aussi avec Mystique, le petit Normand, la plume rose fuchsia, voilà. Je vous laisse un petit moment, vous choisissez, et on y va avec le papillon. On va démarrer avec le papillon. Alors on va voir qu'est-ce que ça va révéler, qu'est-ce qu'elle va nous donner comme conseil aussi, hein, c'est un tirage général. Il y a l'homme, ou le consultant. La maison, la cigogne, le cercueil, le courrier, la montagne, le chevalier, la lune et le chien. Alors, dans ce tirage, oui, dans ce tas, ben, il y a le consultant, il y a la présence de l'amoureux ou soit c'est votre amoureux si vous êtes la femme, soit c'est vous le consultant, ça vous représente. Donc il y a la pensée, il y a l'attente de cette personne par rapport, je vois une attente à un changement. Je pense qu'il y a une attente aussi à une attente de communiquer. Donc pour qu'elle... Elle fonctionne votre relation, mais il y a un manque de communication entre vous. Donc on vous conseille là d'aller, voyez, communiquer en tant qu'amoureux, mais aussi en tant qu'ami, se rapprocher de votre chéri, hein, de la personne de votre cœur, mais en tant que amoureux, ami. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on vous conseille de l'écouter, de le connaître, de connaître sa vie, de connaître sa vie antérieure, sa vie passée, sa vie aussi, ses désirs, ses rêves. Parler, voilà, creuser, aller vers. Soyez curieux, curieux de l'autre. Et ça, ça va améliorer, je pense, le blocage, parce qu'il y a un blocage. Il faut mettre fin à ce blocage, hein, parce que je pense l'un de vous, il est secret, hein, ou on a tendance aussi à être réservé, à ne pas trop dévoiler les choses, des secrets. Bon, je dis pas de tout dévoiler, mais soyez ouverts. Voilà, pour que ça fonctionne, elle peut fonctionner, elle fonctionne, votre relation, oui, mais il y a des améliorations à faire. Hein. Et écoutez aussi votre intuition par rapport à les messages à émettre. Je pense, écoutez votre cœur, soyez ouvert à l'autre et aussi ouvert par rapport à vous-même. Voilà, soyez confiant. Confiant à votre chéri, soyez confiant pour dévoiler des choses, hein, parce que c'est ça qui va vous révéler en fait un changement, mettre fin à ce blocage, à ce manque de communication en vous. Donc je pense ce tas, les personnes qui ont choisi ce tas, on vous conseille la relation, elle est, voilà, vous êtes en relation, mais il y a un blocage de communication. Donc on vous conseille d'aller vers la communication, d'approfondir, de connaître l'autre, de creuser, de s'intéresser à ses désirs, à ses rêves. Voilà, c'est pas vraiment une communication banale, hein, mais aller dans la profondeur des choses, voilà, pour s'intéresser à l'autre et l'écouter aussi, hein, c'est pas, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux avoir? Est-ce qu'elle va fonctionner?
Oui, voilà, c'est l'effet, allez, aussi partager des moments de plaisir pour que ça fonctionne. Voilà, c'est faire la surprise. Surprenez, voilà, elle fonctionne, hein, elle fonctionne, mais il y a des efforts à faire en plus, je pense. Et voilà, fêtez. Je pense que vous êtes en mode là, si vous vous ouvrez et que vous communiquez vos... soyez ouverts, hein, soyez ouverts à l'autre et voilà, il faut le surprendre, fêter, faites des surprises peut-être pour un voyage, pour un week-end, pour... Là, la relation, elle fonctionne. Elle fonctionne, mais à condition aussi de faire un effort de, voilà, de communiquer. Vous allez fêter, je pense que vous allez fêter le fait de d'aller, voilà, plus dans une relation aussi amour-ami, hein, voilà, que des confidences, faire des confidences sur vos fantasmes, pourquoi pas, hein, vos désirs, vos rêves, et vous allez fêter des choses, fêter des événements, surprendre, faire... Ah là, vous laissez... Ouais, allez, ouais, parce que je pense, voilà, il y a une solitude, une peur de révéler les choses. Mais il ne le faut pas, il ne faut pas. Allez-y, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Initiation, elle a tourné là. Voilà, faites le premier pas, ça fonctionne, mais il faut aussi faire d'autres efforts pour aller approfondir votre relation. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire? D'autres cartes. Et je prendrai carte conseil aussi. Ah, c'est beau! Il y a, voilà, il faut surmonter ce blocage. Je ne sais pas si c'est vous ou c'est le consultant, c'est l'homme. Hein. Il faut l'encourager. Il faut mettre fin à ce, il faut mettre fin à ce blocage de communication. Je pense, il ou elle, elle n'arrive pas à être elle-même. Donc, pour que ça réussisse, réussisse, il faut être soi-même et accepter l'autre tel qu'il est, avec ses rêves, avec ses désirs, avec son passé. Et hérédité, culpabilité. Ouais, il faut finir avec, il faut pas, pour que ça fonctionne, il faut pas culpabiliser l'autre avec ce qu'il a vécu, avec ce qu'il a connu, avec ce qu'il est, d'accord? Avec son héritage, son passé, son vécu, c'est ça. Donc, voilà, le conseil qu'on vous donne, stop à dire, bah, c'est ta faute. Voilà, on n'arrive pas à avancer, c'est ta faute parce que tu es silencieux, tu es secret. Non, ben, il faut aller encourager l'autre, d'accord? Ou encourager vous-même aussi, hein, à dire les choses. Voilà. Voilà, mes chers abonnés. Donc, la relation, elle fonctionne, mais il y a quelques blocages qui fait que, ben, en fait, on ne connaît pas l'autre, hein, vraiment. Hein, on ne connaît pas l'autre parce qu'on n'arrive pas à communiquer. Et ça vient petit à petit. Voilà. Et vous allez fêter, vous allez faire, allez-y, faites, vous allez en vous surprendre, vous allez faire vous allez fêter des choses, vous allez avoir un événement aussi peut-être, une surprise aussi par rapport à une grossesse, hein, une grossesse qui va être la surprise aussi peut-être. Oui, je vois aussi certains de ceux qui ont choisi ce tas, il y a une révélation aussi de grossesse. Hein. Donc voilà, c'est une famille qui s'agrandit, qui va s'agrandir et vous allez fêter cet événement. Voilà pour le premier tas. Ah, je vais prendre une carte conseil pour le premier tas. Carte conseil, qu'est-ce qu'elle nous dit, Aradia? Ah, ça c'est le deuxième. Ah ben j'adore, c'est sympa pour le premier. Vous êtes dans une bonne direction, mais à condition
de dire les choses, hein, de ne pas cacher. Faut pas, c'est pas une bonne solution de laisser des choses dans son cœur, de cacher, d'être en secret, voilà, ne pas révéler ses besoins, ses désirs, ses souhaits, pourquoi pas sur tous les plans. Hein. Sur tous les plans, il ne faut pas hésiter à dire ce qu'on a envie de faire ou ce qu'on désire avec l'autre personne, encore ses attentes. Voilà. Jouer avec l'autre. Faites, voilà, surprendre, c'est comme on a vu, hein, les numéros là, jouez, faites, oui, bah pourquoi pas, là c'est passé dans ma tête, mais surprendre l'autre avec des scènes, hein, jouer ensemble, peut-être c'est pour mettre de l'intensité et du piment dans votre couple, voilà. Alors, on passe à la plume rose. Trèfle, sympa, on commence bien, trèfle, le livre, l'anneau, les nuages, il y a un doute, la lune, et la clé, le serpent, la cigogne, bah, la cigogne dans les deux, hein. Le cœur, waouh. Alors, ceux qui ont choisi ou celles qui ont choisi ce tas, eh ben, vous êtes chanceux, votre couple fonctionne très bien, fonctionne malgré que vous avez un doute. Si vous regardez la vidéo, c'est qu'il y a un doute, parce qu'il y a un doute par rapport à un changement de comportement de la personne. Mais ce changement de comportement, parce qu'elle a besoin, cette personne, de faire évoluer votre relation, parce qu'elle tient à vous, hein. Ça fonctionne, c'est la clé, il y a l'amour, il y a l'engagement, il y a tout, il y a, mais je pense, l'information pareil, il y a un manque, c'est comme un livre, la personne elle a besoin de s'ouvrir à vous, et de vous proposer, cette personne elle veut s'engager, elle va vous dévoiler son amour et son souhait de s'engager avec vous. Et c'est sérieux, il y a vraiment là l'envie d'engagement, l'envie de faire évoluer la relation vers un engagement stable et sérieux. Et même, même le doute là, que vous avez en fait, hein, le doute, il y a un coup de pouce des guides, un coup de pouce de la vie, parce qu'elle va se transformer en vraiment, peut-être vous avez un doute parce que c'est une relation qui a commencé. Et là, il y a une transformation vers l'amour, l'amour sincère, le feu, l'amour, on voit le cœur avec le feu, avec la passion, donc il y a un engagement sincère et un souhait de vraiment d'aller vers une stabilité sereine, une stabilité de longue durée, vers un mariage, vers vraiment une concrétisation à deux. Donc là, la relation, elle fonctionne à 100%, je vois qu'elle fonctionne à 100% malgré le doute, hein, qu'à un certain moment vous l'avez eu, hein. Mais ce doute-là, il va très changer, je pense. Il va avoir, parce que il y aura un message que vous allez l'avoir de votre chérie, que voilà, qu'elle est amoureuse, qu'elle est vraiment à fond avec vous et envie de s'engager. Voilà, donc pour ce tas-là, la relation, elle fonctionne. Il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Je ne sais pas pourquoi il y a un doute. À un certain moment, peut-être parce que c'est un début d'une relation pour certains. Ou voilà, il y a un passage. Il y a un passage. Des difficultés en couple. Ou je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu un doute. Mais ce doute-là, il va être dissipé. Il va infiner. Peut-être qu'il y a eu aussi des personnes qui ont semé, qui vous ont mis, oui, le doute dans votre tête, je pense. Oui, c'est ça, le doute, c'est l'intervention des personnes
qui a eu voilà des rumeurs, des dits, hein, des voilà, et ça vous a mis ouais, ils vous ont mis le doute dans votre pensée, dans vos pensées par rapport à votre amour. Mais là, la relation, elle fonctionne. Moi, je vois que du positif. Il y a vraiment beaucoup d'amour. Il n'y a pas raison de s'en douter. Pour moi, bah, c'est un tirage général, hein, mais elle est très positive. Et la clé pour voilà, faire taire les autres, c'est vraiment écouter votre cœur, écouter votre intuition, votre voilà, ce que votre cœur vous dit, d'accord? Ce que votre intuition, d'accord? Et on vous demande aussi de ne pas écouter les autres, hein, parce qu'il y en a qui veulent vous vous faire changer d'avis, vous où il y a une personne qui est jalouse, hein, et que elle espère aussi. Peut-être qu'il y a une personne qui veut vous détourner, d'accord? Donc faites attention à à votre entourage, il faut pas écouter. Voilà, hein? Et la clé, c'est votre amour que vous sentez. Donc la relation, elle fonctionne bien. Il n'y a pas de doute à se faire. Et voilà, il y a beaucoup d'affection et d'amour sincère. Ah, cœur brisé, je pense les doutes par rapport à une rupture pour quelques-uns qui a eu, donc voilà, une rupture, une dispute, mais vous allez vous retrouver, d'accord? Vous allez vous retrouver d'ici les mois à venir, hein, parce qu'il y a beaucoup d'amour, donc la clé c'est de dévoiler aussi, de révéler votre amour, hein, pour avoir un changement positif, je pense. Voilà, allez, dites les choses, je pense. Peut-être c'est ça qui va, en fait, qui va vous rendre, vous retrouver, hein, rendre votre amour. Parce que je pense qu'il y a eu une rupture par rapport à des personnes ou quelqu'un qui a détourné, hein, qui a détourné le, qui vous a, ah ben ça saute les cartes là, qui a semé le trouble dans votre couple. Donc il faut éviter. Et c'est ça qui a un peu cassé, mais vous allez vous retrouver. Il y a le foyer, il y a aussi le voyage ou changement. Donc vous allez vous retrouver en foyer ou faire un voyage entre vous deux, hein, une escapade. Et il y aura un changement positif d'ici, voilà, les mois à venir. Vous allez vous retrouver ensemble dans un, une, ouais, vous allez concrétiser un foyer à deux. Donc là, je vois aussi la relation, elle fonctionne, va fonctionner, mais à condition de vous éloigner des personnes jalouses, des personnes ou des concurrents, des gens qui, des gens, des personnes en fait, une femme ou un homme qui veut vous posséder en fait, hein, tu vois ça, hein, qui veut vous détourner de votre amour pour vous avoir. Voilà, un ex ou un ami ou un rival, hein, ou une rivale, voilà. Donc faites attention à ça. Et la clé, c'est votre amour, croire en votre amour envers la personne de votre cœur. Voilà, le doute, on voit le doute, les épreuves et le retour. C'est beau, voilà. Vous avez eu un doute par rapport à la relation. Donc, il y a eu des épreuves, hein, des obstacles par rapport à ces personnes-là qui sont autour de vous, qui veulent vous détourner de votre chérie, hein, qui en... Ou même peut-être aussi des choses encore occultes, hein, qui ont jeté un sort ou voilà, mais vous avez pu vraiment avancer et là avec vous, la clé c'est votre amour, hein. Vous allez réussir à retrouver votre amour parce qu'il y aura un retour. D'accord? Parce qu'il vous y croyait. Et c'est ça la clé. Il faut y croire à fond. Et ça va fonctionner. Voilà, ça va fonctionner. Il n'y a pas raison.
et vous allez vous retrouver. Et il y aura un grand changement. Voilà, mes chers abonnés. Donc, pour les deux tas, moi, je vois que la relation, elle aussi, elle fonctionne. Mais à condition aussi, là, dans ce tas de ce tirage, d'éliminer, oui, de vous éloigner des personnes, des mauvaises personnes. Voilà, vous allez le savoir avec votre intuition. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir par rapport à ces personnes-là? Carrefour et rêve. Peut-être écoutez vos rêves, vous allez avoir des indices. Hein. Vous allez savoir le choix par rapport à ces personnes. Écoutez vos rêves, écoutez votre intuition et vous allez prendre le bon choix par rapport à ces personnes-là. D'accord? Vous allez le savoir. Et voilà, bouchez vos oreilles. Bouchez vos oreilles, n'écoutez pas les autres, mais écoutez votre cœur. Et ce sera la clé, voilà, et elle fonctionnera, votre relation. Et une autre carte de Radia. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, Radia, par rapport à ce choix? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme message? Message pour mes chers. Alors, message pour... Alors, pour les deux, votre relation, elle fonctionne. La lune, comme la pleine lune, l'intuition, tout ce qui est mystique. Soyez attentifs à vos rêves, à votre intuition, à vos guides. Les guidances, pourquoi pas, ça va vous révéler des choses. Et là, avec la pleine lune, il y a des signes. Donc, soyez attentifs aux signes. Et je pense, là, vous allez savoir des choses. Hein. Mais voilà, votre relation, il y a un grand amour. Faites confiance à votre instinct. Voilà, mes chers abonnés, j'espère que ça a répondu à vos questions et que ça vous guide. Les deux, ça fonctionne. Les deux relations, elles fonctionnent. Et il y a des... Voilà, il y a des choses à faire. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.